J'ai eu une discussion il n'y a pas si longtemps que ça avec un mec très fort de ma génération un peu qui a arrêté sa carrière et qui m'a dit mais Clément arrête avant de faire 10e à un championnat de France. Je lui dis mais en fait non je m'en branle. On t'en fout. Tant que ce que je fais j'aime ça, tant que je progresse et que je prends du plaisir à le faire, même si c'est pour faire 10e à un championnat de France, c'est pas grave. Des places merdiques j'en ai fait plein et je m'en fiche. Et tu vois il y a une jeune génération, ils sont très forts, ils arrivent etc etc et franchement je leur souhaite que du bien. Mais la réalité c'est que bah, j'en ai vu plein des mecs arriver et pas rester pour des raisons x ou y, que ce soit à la vie, parce qu'ils ont changé de boulot, parce que quand t'es étudiant, tu peux t'entraîner 15 heures par semaine et ça va, tu vois, mais que quand tu rentres dans une vraie vie active ou que t'as une vie de famille ou quoi, continuer de t'entraîner 15-20 heures par semaine, c'est beaucoup plus compliqué. Ça nécessite une organisation, des sacrifices et tout. Et il y a des gens qui sont soit pas prêts à le faire, ce qui peut se justifier, soit pas capables de le faire.